en perles Amamini, qui vont venir se coller sur la carte Bonne Fête Maman. Alors celle-ci, c'était Hugo qui l'avait réalisée l'année dernière. Le modèle de cette carte-là en fil tendu est déjà en vidéo. Il est très très facile pour les enfants. D'ailleurs, je l'avais créé pendant le confinement de l'année dernière pour occuper Hugo. Et donc j'avais après fait ces petits tissages de perles, je trouvais ça assez sympathique à faire, et puis c'est très facile pour les enfants. Voilà, donc pour réaliser donc le modèle de la carte, vous le retrouverez en vidéo sur ma chaîne. Pour réaliser les petites fleurs, vous allez pouvoir télécharger cette grille. Alors, cette grille là, c'est pour faire un bouquet complet, mais je me sers au final de la fleur et non des feuilles. Voilà, mais pour ceux qui maîtrisent bien la technique, vous pouvez continuer à faire les tiges, et comme ça en fait vous collerez, vous pourrez faire les tiges là, ça évitera de dessiner. Voilà, mais bon, Hugo, lui, c'était simple ça et de dessiner. Voilà, donc on se retrouve dans un petit instant, je vous explique, c'est vraiment un modèle très 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 facile pour le démarrage du tissage de perles. Donc on se retrouve dans un instant et on fait un petit modèle ensemble. Voilà, moi c'est une boîte que j'ai classée par couleur, donc vous prenez les couleurs que vous avez envie pour réaliser le bouquet. Donc là on va démarrer, on va en faire pour que vous voyez bien, on va prendre des couleurs qui tranchent bien, on va prendre du blanc, et puis on va prendre du orange. Voilà. Alors, on va mettre ça comme ça. Donc l'échelle de départ, on considère que c'est ça. Hein, c'est le milieu finalement. Donc il va nous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 5 perles. Alors on va faire le tour orange. Alors, donc échelle de départ, on démarre toujours par 2 perles. D'accord? Alors, nos 2 perles. On se place comme ça. On repasse dans la orange. Voilà. On revient dans la blanche. Là, vous allez bien voir parce que j'ai pris des couleurs. J'ai pris des couleurs contrastées. Alors après, il va nous falloir. On va mettre un petit peu de perles sur la table. Voilà. Après, on a orange, blanc, orange. Donc, on prend orange. On va en face du fil, d'accord. On tire. D'accord. On repasse dans la orange. Ensuite, on retourne dans la blanche. Et on repasse dans la orange. D'accord? Donc orange, blanc, orange, blanc maintenant. Blanc. Ok? On va en face, toujours en face de notre fil. Là, c'est vraiment très, très rapide. Voilà. Ça décore les petites cartes, je trouve. Moi, Hugo, il l'a faite de A à Z, hein, sa carte. Voilà. Ensuite, orange. Il n'y a que 5 perles. Donc, on arrive à la dernière perle hein, sur l'échelle de départ. Donc, en face. On retourne dans la orange. En fait, on recule. On revient. Et on repasse. D'accord. Ok. Donc là, bah, on a fait l'échelle de départ.
Voilà. Donc maintenant, on va aller comme ça. On va faire comme ça, puis après on refera comme ça. Donc là, on est sur une diminution. Donc on prend toujours deux perles, début de rang, deux perles. Donc là, orange et blanc en l'occurrence. D'accord? On va regarder plutôt là, parce que là c'était orange et blanc. Enfin bon, c'est les trois mêmes modèles. Alors, on va aller entre la blanche et la orange. Voilà. Essaye que le nœud, le fil ne fasse pas de nœud, ça serait mieux. J'ai peut-être pris un petit peu trop de fil là. Alors, mais sur un petit modèle comme ça, vaut mieux. On coupe pas quoi, on le fait d'une traite. Alors, après, on repasse dans la blanche. On revient dans la orange. On repasse à nouveau dans la blanche. D'accord? Voilà. Après, on a encore une blanche. D'accord? Et une orange. Passe comme ça. Voilà, deuxième rang, troisième rang. Donc là, on est sur trois oranges. Donc début de rang, deux perles. On revient entre la 2 et la 3 du rang précédent. Voilà. Voilà. Et la dernière orange. Et la moitié de la fleur est terminée. Donc maintenant, vous repassez. Il va falloir aller en face. Enfin, traverser votre ouvrage pour ressortir. Alors, un petit nœud. On va l'enlever. Alors. Et vous ressortez, il va falloir ressortir. Alors là, je suis ressortie là, ressortir ici. De façon à continuer. Et là, ben, et vous allez refaire la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc orange, blanche. Là, on fait ce rang-là, on ressort et on revient comme ça. Et la fleur va être terminée. Donc je vous laisse terminer l'autre moitié de fleurs. Mon petit, hein, parce que ça fait allez, 1,6 par 1,2. Donc c'est vraiment très petit. Donc vous pouvez en réaliser plusieurs. Là, Hugo, il en avait fait 3. Voilà. Et puis de couleurs différentes, mais vous pouvez tout à fait en faire autant que vous voulez. Et c'est vraiment très facile, hein. Hugo, il a fait ça l'année dernière, il était en CM2. Ça l'a bien occupé parce que c'était ses premières cartes en fil tendu et son premier tissage de perles. Voilà. Donc si ce petit tuto vous a plu, merci de bien vouloir laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche, comme ça vous serez informé de toutes les vidéos que je publie. Voilà, donc ça fait une très jolie carte. Bonne fête, maman. Voilà. Donc je vous dis bonne création et à bientôt.